6 mai. 2 Chroniques, chapitre 28, chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pekach, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaseja, fils du roi Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes, mais vous, n'êtes-vous pas coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. » Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jokanan, Berekia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Charum, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis, ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Gedéroth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Quand l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel, Tilgath-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel
Il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem et il établit des relieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Achaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés aux troubles, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Machat, fils d'Amazaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kehatites et des fils des Merarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jehaleléel et des Gershonites, Joach, fils de Zima, Éden, fils de Joach, et des fils d'Elisaphan, Shimri et Jeiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Eman, Jeiel et Shimei, et des fils de Jedutun, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux
et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Restez échappés de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs
et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détourna pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Asère, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours. Et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1 000 taureaux et 7 000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1 000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue,
Les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du moût, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tasses. On commença à former les tasses au troisième mois et l'on acheva au septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tasses et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de cette tasse. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Sadoc lui répondit : Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé. Nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Conania en eut l'intendance et son frère Shimei était en second. Jehiel, Azazia, Nachat, Azaïel, Jérimoth, Josabad, Eliel, Jismakia, Machat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Shimei, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu, pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Benjamin, Josué, Shemaéja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Au mal enregistré depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leurs divisions, aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de 20 ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leurs divisions. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer leur portion à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements.